Biel, bonjour. Vous êtes prêts? Aïe, aïe, aïe. Je recommence avec ma tête bien, bien, bien dégueulasse. Parce que je pense que ça n'ira jamais. Cette situation de bouton. Où on était tout ce temps? Ça fait longtemps, quand même. La dernière fois, Lucie était toute petite. Et maintenant, elle a 2 ans et 3 mois. Bientôt 4. D'ailleurs, c'est elle qui fait pas de bruit. Si vous nous suivez depuis quelques vlogs, eh bien, oui, on a trouvé une maison. On a acheté la maison. Et voilà, donc c'est une maison avec beaucoup de travaux. C'est une maison qui date de 1800, peut-être même avant. Il y a eu des annexes qui ont été construites en 75 et nous on vit dans les annexes, c'est-à-dire une cuisine, une salle de bain, un cellier, donc un truc de rangement, et le salon qui nous sert de chambre, de salon, de dressing, de bureau, de salle de jeu, etc. Donc... J'ai une très belle cuisine, voilà, une plus belle cuisine de ce que j'avais où j'habitais avant. Et donc ça me satisfait, c'est ce qui m'a rendu le plus en joie. On a un très 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 grand jardin. Mais là on est en hiver, nous sommes le 14 janvier, le 15. Donc, oh là là, il y a Lucie à faire du bruit là. Elle fait des montagnes avec les cubes. Oh là là. Donc là, vous voyez. Là, c'est une commode où il y a tous les vêtements de Lucie. Là, c'est Lucie. Là, il y a l'ordinateur. Là, il y a deux guitares qui ne servent à rien. Là, c'est le linge sale. Les petits jeux de Lucie. Garde-robe, Anthony, moi, Lucie. La télé, des jouets, notre bibliothèque, etc. Notre fauteuil lit et le lit de Lucie. Et voilà. Notre pièce principale. Programme d'aujourd'hui, à part un peu de ménage comme d'habitude, comme ça a toujours été dans la vie de n'importe quelle maman au foyer. Oui, parce que je ne travaille plus où je travaillais. Lucie! Donc, je dois faire manger. Parce que quand on fait 2h10, donc à midi, pile même un peu avant, il faut qu'il mange. Là, il va être 10h, oh, ça va, j'ai encore un peu de temps. Voilà, je sais pas quoi faire à manger. J'ai envie d'une bolo, mais je crois que j'ai rien pour faire une bolo. Oui? Oui? T'as fait des bêtises? C'est quoi ça? Tu sautes? Gang! Ça fait des bêtises? On va aller voir les bêtises que t'as fait. Bon, il y a beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Le dîner c'était simple, Anthony voulait des coups de monsieur, donc j'ai fait une soupe en plus, et voilà, on a dîné assez tôt vers 11h, on a tous fait une sieste, et là il est parti, donc là je vais essayer de faire l'intro. Je dis essayer parce que c'est Anthony qui l'a faite la première fois. Donc, je vais essayer. Il m'a dit de changer les photos sur l'ancienne intro. Peut-être que ça irait. On va voir. Il faut que je la trouve d'abord. Ah, elle est là. Est-ce que je vais y arriver? Ça fait longtemps que je ne me suis pas mise sur l'ordi comme ça. Et à mon avis, ça va me prendre... pas mal de temps et j'imagine que quand j'aurai fini derrière moi, ce sera un carnage. T'es belle? Ah oui, t'es belle. Ça
va être compliqué de faire du montage hein, avec toi. J'ai rien commencé parce que je n'arrive pas à ouvrir le ancien intro. Oui, maman. Donc je ne sais pas remplacer. Je pense que je vais recommencer une toute nouvelle intro. Waouh. Waouh. On va essayer. C'est belle. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là là, mon amour. C'est génial, l'application. Bon bah voilà, j'ai fini les 4h l'après-midi. Donc je vais commencer le montage de cette vidéo pour voir si je suis toujours... Oui, c'est la petite cuisinière de Lucie qui fait du bruit. J'espère que ça ira l'intro. De toute façon, vous l'aurez vu. Oui. Ah, il est cassé celui-là. Bref, tu sais, c'est un truc qui. Son anniversaire, pour sa marraine. C'est un truc qui répète tout ce qu'on dit avec une petite voix comme ça, mais elle a foutu en l'air parce qu'elle l'a tenu par le cou. Et il ne va plus. Tu m'entends? Non, il va plus. Il est cassé. Tiens, tu peux lui faire le décalage ou au docteur ou. You! Ah non, il va plus. Il mangera, à mon avis, on va souper vers 5h parce qu'on a dîné tout. Et puis après, on ira se laver. Je fais coucou? Coucou! C'est déjà la fin de la journée, on vient de manger, on va aller se laver, hein. Mmh. Aller voir le carnage. Bien. Oui, on va prendre le pyjama, le pampers. Oh, on a fait une journée pyjama, c'est souvent comme ça, quand on ne sort pas du tout de la maison. Attends, je vais prendre ton pyjama. Alors, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fasse le lit, sérieusement? Oui, oui, oui. Voilà, c'est l'heure du pipi. Avec la sucette, à la petite toque comme ça. La sucette avec le bibi. Elle n'a pas de doudou, mais elle aime bien dormir avec plusieurs sucettes et elle sniffe ses sucettes. Voilà, mon avis, quand ce sera le moment d'arrêter la sucette, ça va être difficile. J'aimerais bien qu'elle l'arrête vers ses 3 ans, c'est bien. Donc, fin de cette année, elle donnera la sucette à Père Noël ou à Saint-Nicolas. On verra, je redoute déjà. Ça va être difficile, à mon avis. Il faut que je fasse le transfert sur un doudou. Il y a quand même son hibou qu'elle aime beaucoup, qui fait de la musique et de la lumière pour la nuit. Eh bien, je pense que je vais arrêter le vlog là. Et j'espère que la prochaine fois, on sera sortis ou quelque chose comme ça, parce que sinon, ce sera encore un vlog de nos 3 pièces. Je ferai un vlog où je vous montrerai les travaux, évidemment. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.